everyone. I am Dakota Riding, and we are outside the high-security prison where Jason Moreau, known as the Killer of the Cross, is currently locked up. You know, Miss Riding, we've had a lot of dangerous criminals here, but Jason, he goes beyond them all. Even his own wardens would rather not be alone with him, even handcuffed. Yes, the verdict has been delivered. Jason Moreau has been condemned to capital punishment. He will be executed by lethal injection Saturday morning. This was Dakota Ryan, and may God protect America. Alors, et tes problèmes d'insomnie, t'en es où? Toujours ces cauchemars bizarres chaque nuit. Qu'est-ce que tu fous avec ton téléphone? Oh, fais pas gaffe. C'est mon nouveau Samsung K, je l'adore. Ça doit être les flics, je les ai appelés. Quoi? Bah, pourquoi tu les as appelés? Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. Police. Entrez, je vous en prie, monsieur. Bonjour. 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 Vous nous avez appelé pour nous signaler des intrusions dans votre domicile? Monsieur, bonjour. Veuillez couper votre caméra, s'il vous plaît. Oui, pardon, excusez-moi. Je comprends pas. Vous avez constaté quelque chose de particulier? Bah non, je vous dis... Vous avez constaté des vols, monsieur? Non, pas particulièrement. Vous vivez seul? Oui, enfin... Non, j'ai une petite amie, mais... C'est oui ou non, monsieur? Oui, je vais pas. Pourquoi ils sont là, les flics? Pas d'effraction, pas de vol. Vous pouvez toujours laisser une main courante, mais nous, on peut rien faire pour vous. Hein. C'est pas grave. Merci en tout cas de vous être déplacé. Très bien. Bonne journée. Allez, bonne journée. Bonne au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Merci, au revoir. Qu'est-ce qu'il y a là, tu... Alors, raconte! C'était pourquoi les flics? Je sais pas. Je sais plus. En fait, après mes cauchemars, je retrouve parfois des objets déplacés le matin. J'ai tout vérifié, hein, fenêtre, porte, il manque rien. Mais bon. Je préférais les appeler. C'est con, je sais. Hein. Bref. C'est de plus en plus chelou ton affaire, là. Hein? N'en parle pas. J'ai de plus en plus de mal à me concentrer. Ça me prend la tête. Je dors super mal. Ça me fatigue. Écoute, je connais un médecin. Il est spécialiste des troubles du sommeil. Ma mère m'en est chez lui quand j'étais petit, tu vois, parce que je faisais des cauchemars. Tu te fous de moi? Un spécialiste pour gamins? Eh non. Il consulte aussi pour les adultes. Va voir ce mec, au moins pour avoir son avis. En plus, il consulte sans rendez-vous le matin. Mathieu, vous avez bien compris. Vous positionnez la caméra dans votre chambre, en face de votre lit, au moment où vous allez vous coucher. C'est l'élément essentiel. On verra les solutions ensemble en fonction du degré de gêne, éventuellement du degré de dangerosité. Mathieu, vous avez compris ce que je vous ai dit. Vous voulez que je vous répète?
alors ces vacances? Comment vont tes grands-parents? Bon, ça va. Ma grand-mère est un peu fatiguée, mais bon. J'avais hâte de rentrer après une semaine. Oh, cool! T'as préparé le petit-déj? Non, pas vraiment. Excellent, c'est quoi ça? Tu vas faire un film? Un reportage? T'as besoin d'une actrice? Mais non, tu sais, c'est pour mes insomnies. J'adore! Oh, j'ai raté ma vocation! Bon, Jenny, c'est sérieux, là. J'ai consulté un spécialiste, il pense que mes insomnies sont liées à du somnambulisme avéré. Il m'a prêté cette caméra pour que je puisse enregistrer et voir ce qui se passe la nuit. Ah, excuse, si on peut plus déconner maintenant. Laisse tomber. D'ailleurs, j'ai pas encore visionné ce que ça a filmé cette nuit. On regarde ensemble? Oh, d'accord. Mais tu mets en accéléré, hein, parce que te voir ronfler, je sais déjà ce que ça fait. Ta caméra. C'est important. Bon, allez, viens te coucher. J'arrive, j'arrive. Vas-y, ma chérie. Oui, moi aussi. Coucou mon chéri, quitte à voir une vidéo, je vais te montrer quelque chose de plus intéressant. Bon, c'est clair, je me lève la nuit. Je sais pas pourquoi, mais apparemment je me lève et je sors de la chambre. J'en saurais peut-être plus en posant la caméra ici.
C'est quoi ce bordel là sur la table? De quoi? Ça. C'est l'heure, je pars pour une vie meilleure, mais ne t'en fais pas. Je garderai toujours un œil sur toi, ma Jeannette. Tu te fous de ma gueule, y'a ma grand-mère qui m'appelle comme ça. Mais c'est pas moi, c'est même pas mon écriture. Je trouve pas ça drôle, Matt, hein. Attends, Jen, j'y suis pour rien. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est pas drôle, Matt. J'y suis pour rien, appelle-la, je sais pas, appelle-la. Allô? Ah, papy, c'est moi. Vous allez m'appeler? Non. D'accord. D'accord, oui. D'accord, j'attends ton appel. Je suis en train de te dire que ma grand-mère est morte. T'es une amie, tu devrais comprendre. Et ce matin, je vois un mot sur la table avec son écriture alors qu'elle est décédée à Bordeaux. Et oui, mais... Non, mais... Je m'énerve pas. D'accord. Oui, d'accord, d'accord. On se voit demain. C'est pas moi qui écris ce message, je te promets. Je sais. Je sais bien. Écoute, je dois en savoir plus. Je vais demander une vidéoconférence avec mon médecin, je peux te laisser seul. Ouais. Fais ce que t'as à faire. Oui, bonjour. Oui, bonjour docteur. Je suis Matthew, je suis passé vous voir lundi. Oui, je me souviens, attendez. Je me souviens effectivement, c'est ça. Vous m'aviez parlé d'insomnie, une histoire de somnambulisme, et j'ai dû vous prêter un caméscope pour que vous enregistriez, oui. Oui, justement. Alors, j'ai fait des recherches depuis, et je voudrais que vous écoutiez. Je vais écouter d'abord ce que vous avez à me dire, puis après on... Eh bien... J'ai filmé quelques nuits, et effectivement, je me suis vu me lever en pleine nuit et sortir de la chambre. Je vous avoue que j'ai même posé la caméra dans le salon. Je me suis vu déambuler, quitter mon domicile et y revenir. Alors, vous avez des souvenirs de ce qui s'est passé au cours de la nuit? Quelque chose qui est resté? Oui et non. En fait, j'ai de plus en plus l'impression d'être quelqu'un d'autre la nuit. Alors, attendez, j'ai bien entendu, mais je veux vous parler d'abord d'une étude allemande, quelque chose d'assez nouveau. Je ne suis pas certain que ça vous concerne directement, mais on parle de connexion onirique. De quoi? Excusez-moi, laissez-moi, je vous explique. Je comprends pas. Ce dont ça parle, il existerait éventuellement un lien, une sorte de passerelle entre les volontés des personnes mourantes et puis d'autres personnes. À Berlin, plusieurs patients auraient déclaré qu'ils étaient sous l'emprise d'individus. Oui. Ça expliquerait pas mal de choses, en fait. Qu'est-ce que vous voulez dire, là, pas mal de choses? Il est arrivé quelque chose d'étrange ce matin à mon réveil. J'ai trouvé sur la table un message avec l'écriture de la grand-mère de ma copine. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus, être un peu plus précis sur... C'était comme un message d'adieu adressé à ma copine. Comme pour lui dire de ne pas s'inquiéter. Et quelques minutes après, son grand-père lui confirmait le décès par téléphone. Je vois, c'est très intéressant. C'est étrange, la manière dont vous le dites. Est-ce que vous pourriez passer me voir lundi? On pourrait passer un moment ensemble. J'essaierai de vous expliquer davantage. Sans problème, je passe vous voir lundi. Merci, au revoir. Nous approchons, ouais.
de l'étrange créature qui vit la nuit. Arrête tes conneries, là, c'est sérieux. On se calme, garçon. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, Matt? J'ai eu mon médecin en ligne. Ça aurait un rapport avec des messages oniriques ou je sais pas quoi. La créature semble vouloir s'exprimer. Mais t'es lourd, là, Dimitri. Et donc, pour faire simple, si jamais c'est ça, ça veut dire que j'exécute les dernières volontés des mourants. Quoi? T'es en train de me dire... Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Ce serait bien ta grand-mère qui t'aurait écrit ce message à travers moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Ah, là, c'est trop pour moi. Tu m'as déjà raconté plein de conneries, mais là, j'en peux plus. Je pars chez Tania, m'attends pas, et reste avec ton connard de copain. Mais hey, monsieur connard! C'est bon, dis-me la ferme. Jenny, allez, reviens! La créature, face à nous, semblerait donc capable de faire des rêves. J'ai fait un rêve. C'est bon, coupe-moi ça. Arrête de déconner avec cette caméra, c'est pas à moi. Bon, t'es sûr de vouloir dormir ici cette nuit? Attends. Devoir faire le dingo toute la nuit et filmer tout ça? Et pour rien au monde, je voudrais être ailleurs. Et puis, ta femme t'a lâché pour la soirée? Faut bien qu'on serre les coudes entre potes, non? Hé, hey, regarde! C'est le tueur en série dont je t'ai parlé la dernière fois. De quoi tu parles? Mais hé, hey, tu sais, là, le tueur en série qu'on allait à mort. On a vu ça quand les flics sont venus chez toi la semaine dernière. J'ai pas fait gaffe. J'ai d'autres choses en tête en ce moment. En tout cas, je filme pour la postérité. C'est un truc de malade, ce type. Bon, fais ce que tu veux, moi je vais me coucher. Tu sais où trouver les couvertures? Ouais, c'est bon, t'inquiète. Et s'il te plaît, remets cette caméra à sa place. Ok, je la repose. Voilà, c'est bon. Bien reposé. Au fait, Matt. Ouais, quoi? Si t'as un message pour moi, d'Amy Winehouse, Marie, n'hésite pas à me réveiller, hein. Allez, bonne nuit. Crétin. Oh, bonne nuit. Bonne nuit. Ouh, je suis le fond.
tomate là. Ah, t'es qu'un dégueulasse. Oh. Tiens, tu voulais voir ce que tu fais la nuit? Regarde, tu pisses sur tes pattes. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe encore? Vous avez vu quelle heure il est? On a reçu un appel de vos voisins nous signalant des cris. Vous vous trompez, j'étais en train de dormir. Vous êtes seul, monsieur? Non, j'ai un ami dans le salon. Ouais, bah vous nous laissez rentrer, s'il vous plaît. Dimitri, c'est la police. Putain. Tu ne touches pas! Dimitri, putain, il est mort. Dimitri, qu'est-ce qui s'est passé? Recule! Recule, je te dis! Pose ton arme! Pose ton arme et mets les mains sur la tête! J'ai rien fait! On va tirer, connard! C'est pas moi!